Ça fait peur. Ça fait peur aussi. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Petite vidéo, découverte sur un jeu que j'ai complètement zappé au moment de sa sortie. Il est devant nous, il est devant nos yeux. Découvrons-le tous ensemble. Eh bien, bienvenue à tous, c'est One Hour Game. Donc, aujourd'hui, voilà, petite vidéo découverte de Mortal Shell. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bah, on n'en sait trop rien. Alors, tout ce qu'on sait, voilà, c'est que c'est un Souls-like, donc un genre de jeu où on va mourir beaucoup trop régulièrement. Une espèce de vieux Dayan Retry à la sauce Dark Souls et compagnie. Et il est sorti il y a un an et demi maintenant, c'était en août 2020, par une toute petite équipe qui a mis un petit peu de temps à sortir leur jeu, mais a priori, il est plutôt sympathique. Donc Mortal Shell, la coquille de la mort, hein. Donc, est-ce qu'on va avoir une bonne surprise en jouant à ce jeu? Au contraire, est-ce qu'on va se prendre la tête et qu'on va abandonner? Ah bah ça, nous le verrons bien. Voilà, voilà. Alors, je suis très fatigué en ce moment. Donc, à mon avis, on va beaucoup mourir durant cette partie. Donc, on va se faire pas plus d'une heure. C'est vraiment une partie découverte. On va découvrir un petit peu les mécanismes de ce jeu. On va voir un peu l'ambiance. A priori, l'ambiance est quand même assez morbide, assez mortelle. Donc, on va voir ça tout de suite. On perd pas de temps. Appuyez sur un bouton. Ça marche pas. Ah si. Alors, ajustez le... c'est bon. Ouh. Ça a l'air d'être très fort. Verrouille automatique la prochaine cible quand l'ennemi est mort. Non. Visibilité de l'indicateur de santé à l'impact. Toujours visible selon la distance. Caché, on va mettre à l'impact. Opacité, ok. Afficher quantité de dégâts. Ah, on peut faire comme dans les FPS. Ouais, non. Maintenir pour annuler. Oui, Mortal Shell. Alors, comment ça marche? Déjà, on va peut-être baisser le son. Ça me semble plutôt fort. On va tout mettre à 5. Comme je fais habituellement. Voilà. Qualité de l'audio. Évidemment, on va la mettre en bas. Non, pas déconner. On va mettre en haut. Vidéo, flou, radial. Alors, il est sorti sur PS4 mode indé. C'est-à-dire... Oh, c'est énorme. Ils ont fait un mode pixelisé comme ça, c'est génial. Bon, je pense que ça doit tuer les yeux au bout d'un moment, mais c'est quand même sympa. Ah, oh, j'ai envie de l'essayer, donc. Qu'est-ce que je fais? Non, non. On va se le mettre en mode normal, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est un jeu qui est sorti sur PS4. Là, actuellement, nous sommes sur PS5. Il est sur le PlayStation Plus. Il est en gratuité ce mois-ci. Donc, je me suis dit, bah allez, tiens, pourquoi pas? On va voir un petit peu, on va découvrir un petit peu tout le bordel. Putain, il y a beaucoup d'options. Bon, on s'en fout. Du coup, nouvelle partie, et on va voir un petit peu comment ça marche. Alors, oui, emplacement 1, s'il vous plaît. On va augmenter un petit peu mon son. Oh putain, oui, c'est vraiment du Dark Souls, enfin du From Software tout craché. Hein. Bon, je me la ferme. Ah, les enveloppes mortelles. Ça a été traduit comme ça. Putain, mais on dirait le premier jeu de From Software. Avant Demon's Souls, qui était sur PS1.
Ça commençait pareil. Comment il s'appelle? Kings of Field, je crois que c'était ça. J'essaie de me souvenir. Je crois que c'était ça. Il me semble que c'était. Ou Field Kings. Non, je crois que c'est Kings of Field. Vous regarderez, vous referez vos recherches. Je me souviens effectivement que ça a débuté dans une espèce d'endroit comme ça, avec de la flotte, avec des ruines. Bon, faut se mettre dans l'époque, hein. Tout était pixelisé, on était sur PS1 à l'époque. Forcément, fallait énormément solliciter l'imaginaire. Mais c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Franchement, ça. Beaucoup de personnes pensent que les bases From Software reposent sur Demon's Souls. Non, non, non. Ça reposait sur. Je crois que c'est Kingsfield. Ou Kings of Field. Voilà. Je me rappelle plus, mais. Il y avait Kings dedans, il y avait Field aussi. Hein, donc ça me semble pertinent. Bon! Qu'est-ce que c'est que cette bête? On dirait Voldemort. Hein. Voldemort bodybuildé. Voilà. Une certaine classe. Il a une certaine classe. Ouais, on dirait Voldemort qui aurait pris un peu trop de protéines croisées avec le surfeur d'argent. Voilà. Il y a un petit côté des quatre fantastiques là. Bon. Alors le contenu de la flotte est plutôt pas mal. Comment ça? Oh là! Attendez. Donc avec rond. Ah oui, ok. Donc avec rond, c'est de. Ah, on a une double esquive. Du coup, vers l'avant ou vers l'arrière, j'imagine. Non. Ouais, on fait un pas de. Pas un pas de côté, mais un pas vers l'avant. Et quand j'appuie deux fois, c'est la roulade. Très bien. Bon, j'imagine que pour frapper. Ah non, pour le moment, on peut rien faire. Ah, je peux courir avec L3. Bon. Vous voyez, on ressort de Matrix. Vous voyez, ça c'est une animation un peu meilleure, je trouve, hein, l'animation du personnage. C'est pas ouf, mais le jeu a un an. Hein. Je trouve que c'est un petit peu mieux fait. Bon, passons. Alors, où sommes-nous? Ça fait peur. Oula. Il y a déjà un ennemi. Attendez, mais je peux pas frapper, je peux rien faire. Est-ce que je peux le cibler? Ah, bah voilà. Alors vous pouvez maintenant endurcir votre corps. L'endurcissement vous protège des dégâts, mais se brise rapidement après avoir subi des attaques physiques. Donc maintenir L2 pour endurcir. Très bien. L2. D'accord. Oh putain! Oh putain! Eh oui, mais je fais comment pour frapper? L2. Et donc? Ah d'accord, fallait faire que ça. Ok. Bah, s'il faut faire que ça pour gagner, ça devrait aller. Hein? Alors c'est quoi ça? Examiner statut. C'est une épée. On dirait les Drogir dans les Elder Scrolls. Mais oui, c'est vraiment ça. Les fameux Drogir. Alors, l'épée sanctifiée, une épée lourde avec un creux en son centre. Ah, là, on est en terrain inconnu. Alors, à mon avis, il va y avoir des combos. Donc, R1. Attaque faible. R2, attaque forte. L1, non, je peux pas me protéger. Est-ce que je peux faire. Ah oui! Donc vers l'avant plus R2, ça fait. Ah non, pas du tout. Je pensais que ça faisait une attaque sautée, mais non. Si je reste appuyé, ça fait quoi? Oh! Il a tenu par la lame. Ah oui, si on reste appuyé, on dirait qu'il charge son attaque. Vous voyez, c'est un petit peu plus. Ah oui.
Et avec R1. Avec R1, c'est pareil, je crois. Ah oui, c'est pareil. Si je fais les deux. Non, ça fait rien. Bon, bah, très bien. Très, très bien. Putain, la caméra, elle est flex. Alors, vous pouvez vous endurcir dans la plupart des situations, même en attaquant. Testez l'endurcissement à différents moments. Lorsque vous attaquez avec R1, maintenez L2. Oui, si j'ai pas envie. R3 verrouillé. Ah d'accord, y a pas. Putain, y a pas de stun. Oh là 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 là. Ça ne stun pas les ennemis. Mais c'est débile. Oh là 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 là. Ah mais je ne peux pas bouger. D'accord. What? Attendez, je comprends rien. Ah, d'accord, il faut attaquer puis faire l'endurcissement. Je croyais que c'était l'inverse. Je croyais qu'il fallait endurcir et ensuite attaquer. Non, non. Ah oui, quand je suis tout dur, je suis une statue. Je ne peux absolument rien faire. D'accord. Ah, c'est une mécanique qui est intéressante, je trouve. Ah, attendez, il y a des âmes. C'est quoi ça? Un jeton qui crée une connexion avec le royaume des morts. Ah non, des mortels. Est-ce que je peux... Non. Je peux pas dégo... Ah si, on a une attaque sautée. Ça, j'adore. Ce genre de jeu, j'adore. C'est avec une hache. C'est excellent. Bon, très bien. Alors, ramasser l'objet, naviguer parmi les objets rapides, utiliser. Ok. Ouvrir l'inventaire. Comment ça marche? Alors, inventaire, enveloppe. Ah, on va avoir plusieurs enveloppes. Ok. Compendium. J'aime bien ce mot-là. Le compendium. Donc ça, c'est les explications. Donc les enveloppes, d'accord. Et l'inventaire. Très bien. Mais on n'a pas d'équipement? Ah si, équipement. Attends, on n'aura que des armes, j'ai l'impression. On n'aura peut-être pas de d'armure, enfin d'équipement défensif. Peut-être que l'équipement défensif ce sera les enveloppes. Hein. J'ai l'impression qu'il y aura genre un truc de war... enfin, de guerrier, un truc de mage, un truc de prêtre peut-être, un truc de voleur. Genre favorise la vitesse, favorise le soin. Enfin, bon, on verra. On verra. Bon, ça m'étonnerait qu'en l'espace d'une heure on puisse découvrir tout ça, mais on verra. Donc, sprinter, attaque en cours. Ah, je peux sprinter comme ça aussi. D'accord. Et on n'a pas de barre d'endurance. J'ai pas l'impression qu'on ait une barre d'endurance. C'est pas plus mal. Se passe. Oh! Il y a un gros! Qu'est-ce qu'il fait? Attendez. On va essayer de se concentrer. Hein. Merde! Je pensais pas qu'il attaquerait derrière. Ah ouais, mais je peux pas esquiver derrière aussi. Oh.
Ah putain. Je me démerde mal. Hein. Ah. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Aïe 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 aïe. Oh là, j'ai vraiment du mal. Hein. Mais ouais, mais on peut pas stun les ennemis, c'est débile. Comment voulez-vous faire? Bah oui. Oh putain, c'est dur, hein. Il y a une mécanique à avoir, hein. À saisir en tout cas. Je pense que le premier boss... Oh putain! Un gros cachalot! Je pense que le premier boss, on peut le vaincre. Comme dans tous les Souls, ça permet d'obtenir de l'équipement précieux en début de partie. Mais c'est pas indispensable. Ouais, j'ai pas encore bien compris le principe du... Comment on appelle ça? Principe du durcissement. Oh là, mais tout le jeu est dégueulasse comme ça, mon Dieu. Mon Dieu, alors. Alors, on n'a plus de vie, hein. On n'a plus de vie, on a bien une barre d'endurance. Hein. La stamina est en vert, je trouve ça étonnant qu'on n'en ait pas. Quand on attaque, évidemment. Bon, j'ai pas l'impression qu'endurance va être importante parce que la barre est très très grande, elle se remplit très rapidement. Et on consomme pas énormément. Donc, ramper. Bon, pour le moment, ça a l'air sympa. Pour un premier jeu d'une petite équipe qui a fait le jeu, hein. Alors on sent l'influence From Software à 1 million de pourcents, mais ça marche bien. S'il faut, on est dans l'estomac du poisson. Et là, on est en train de remonter. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors, est-ce qu'on va trouver une espèce de node? Ah, ça doit être les points de contrôle, ça. Ça doit être genre comme les feux de camp. Je pense que c'est ça. C'est plutôt joli, hein? Attendez. Ah, il y a un mode photo! Excellent. Ah bah, j'avais même pas vu qu'il y avait une statue, là, dis donc. Attendez, on va regarder un peu plus en détail notre personnage. Bon, on va peut-être pas le regarder. C'est pas terrible, terrible. C'est assez pixelisé finalement, quand, en tout cas, quand on est très très près. Par contre, c'est vraiment bien, c'est un vrai mode photo. Ah, c'est génial. C'est un peu plus qu'un mode photo. Oh! 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 Waouh! Logo. Ouais, ok. Alors, attendez, je fais L1 ou R1, ça marche pas. Ah, c'est L2, d'accord.
Alors, pellicule, champ de vue, profondeur de champ, ouais, lumi, température. Ouais. Putain, c'est pas mal, alors il y a beaucoup beaucoup d'options. Oh, Super Meat Boy, énorme. Oh, c'est énorme. Petit clin d'œil à Super Meat Boy. Hein. Ah, c'est excellent. Ascendant, Dorum, ok. Ah, là, j'ai pas la référence, là. Là, rien, ok. Bon, très bien, on s'en fout. Fermé, voilà. Pourquoi je voulais aller dans les options? Je sais plus. C'est pas grave. Alors, comment ça marche? Qu'à mon avis, ça, c'est un point de contrôle, hein. Ok, il n'y a pas de carte, évidemment. Voilà à gauche. T'es qui toi? Prendre possession, enveloppe inconnue. Y a rien de clair. Hein. Toi. D'accord. Alors j'ai obtenu un trophée hein, pour la première possession. Ok. Ah, l'endurance est. Ouais, parce que nous portons une armure. Donc forcément, dès lors qu'on va faire un effort, ça sera beaucoup plus. Enfin, ça va gagner beaucoup plus d'endurance. Et surtout, on a regagné notre jauge de santé. Ok. Alors le petit point brillant, j'imagine, c'est pour dire que on a pris possession de quelque chose. J'ai l'impression que le jeu va se passer comme ça, c'est-à-dire que on va pouvoir prendre possession de différents corps. Putain, par contre, c'est dégueulasse. Hein. Oh là là, je déteste ce genre d'endroit. Déjà dans les Souls, quand on arrive dans les marais, quand on arrive dans les bois, je déteste ça. C'est joli, mais c'est pas du tout mes environnements préférés. Les capuchons prospèrent là où le sang est versé. D'accord. Lueur de futilité. C'est presque opaque. Ouais. C'est un coffre, ça? Ah oui, c'est un coffre. Un luth. Et des vestiges de goudron. Ouais, donc j'ai l'impression que dans le jeu, on va pouvoir prendre possession de différents corps. Attends, et s'il faut... Dans les enveloppes, c'est peut-être le premier qui s'est débloqué. Et c'est bien ça. Enveloppe inconnue. Durabilité, endurance et détermination. Un homme est plus qu'une simple chemise. C'est bien vrai. Vous devez découvrir le nom de l'enveloppe pour en éveiller le pouvoir. Oh, mais attendez, ça a l'air un peu plus développé que je ne le pensais. On va pouvoir débloquer des aptitudes par enveloppe. Putain, c'est pas mal, hein. Ça, c'est original. Il y a un petit côté RPG dans les From Software, c'est vraiment des stats que l'on augmente, alors que là, c'est plutôt... Sentiment, instinct. C'est plutôt approprié à chaque caractère, à chaque enveloppe, à chaque personnage. Attendez, il y a quelqu'un là-haut? Bien, j'ai rien compris. J'ai eu l'impression qu'on se voyait et que quelqu'un était au-dessus pour nous regarder. Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était ça. Genre là, non?
Y a rien de clair dans cet endroit dégueulasse. T'es qui toi? T'es un copain ou t'es pas un copain? Ah non, t'es pas un copain du tout. Oh putain. Il y a une sacrée allonge ce con. C'est bon. Alors, comment ça marche? On tue le gars, il nous donne une lueur. Ah, les corps disparaissent, c'est con. C'est dommage. C'est pas grave, mais c'est dommage. Putain, ça a l'air d'être des vrais labyrinthes. Oh, mon Dieu. Ramasser sport. Putain, puis on comprend rien. Champignons toxiques, ouais. Donc là, on peut ramper, j'imagine. Voilà, bon, on va pas y aller pour le moment. Oh putain! J'ai eu un bon réflexe. Attends, ils sont combien là? Yeah. Oh! Putain, il peut me toucher d'ici, l'enfoiros. Putain, je peux pas le cibler. Attends, on peut pas se protéger dans le jeu. On peut faire que du durcissement. Merde, mais je peux pas ici. Si, ça y est. Ok. Oh. Attendez, j'entends du bruit. Putain, eh, c'est un vrai labyrinthe. Hein. Regardez, regardez le nombre de... Ah oui, il est là. Regardez le nombre d'embranchements. On vient de là, il y a ici, il y a là. Attendez, il pop les ennemis ou quoi là? Tu viens d'où toi? On peut aller là, on peut aller là. Et on est aux premières minutes du jeu. Hein. Je trouve ça dingue. Oh là là, il y a encore un double embranchement. Attendez, j'entends de la musique. Oh l'enfoiré! Attendez, il m'a l'air d'être super dur ce jeu. Attention! Je sais pas s'il y a du... Ah putain! Esquive! Attaque! Putain, je me démerde, mais comme une merde. Mais c'est hallucinant! Il y a eu combien d'ennemis d'un coup là? Il n'y en a eu qu'un. Oh, énorme! Attendez. Merde. Ah, attendez. Je veux fracasser le luth. Ah, on peut pas. Alors, prospère là où sont inversés. Attendez, mais. C'est quoi les potions? C'est ça? Régénère 30 de santé pendant 30 secondes. Ah oui, c'est ça. Ok. Ça monte là? Ah oui, ça monte un peu. C'est pas énorme, mais ça monte. Yeah. Le coffre est verrouillé.
Là, il y a un gars là-haut. Oh putain. Voilà, deux coups sautés, ça suffit. Ok. Oh putain. Oh! Qui c'est qui m'a touché là? C'est toi là? Ah, s'il faut, il y a du backstab. Eh! Attendez! Comment je fais pour les toucher là-haut là? Putain, je suis perdu là. C'est quand même hallucinant. Tout se ressemble! Et tout se ressemble. Oh l'enfoiré! Ah putain. Non mais je le fais. Mais attendez, les ennemis ont popé ou quoi là? Ah d'accord. J'ai pris un coup, je ne sais pas comment. Ah putain! Alors comment ça marche? Mais what? Oh là 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 là! Mort? Putain, j'ai même pas compris ce qu'il y avait écrit. Attendez, le jeu me semble compliqué à appréhender hein. Parce que là vraiment c'est un vrai labyrinthe, on ne sait pas du tout où il faut aller, on fait presque pas de dégâts. Bon, c'est le principe des souls like hein. Mais et on reprend ici. Alors est-ce qu'on a de l'équipement? Ah, on conserve notre équipement, enfin notre inventaire. Dans les enveloppes, est-ce qu'on a débloqué un truc? Pas du tout. Donc j'imagine que les goudrons, ça doit être les âmes. Et les lueurs, je sais pas ce que c'est. Attends, mais ce jeu, si t'as pas de Wikipédia à côté de toi, tu comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu ramasses des objets, tu peux pas savoir ce que c'est. Sans les utiliser, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Encore dans les Souls, quand ils mettent l'os du retour, quand ils mettent les fioles d'Estus, la description permet de comprendre un tout petit peu. Et alors là, par contre... Ah, il y a un degré de familiarité. Ah. Ok. Bon. Il y avait quelqu'un là ou pas? Je sais plus. Ah non. Ah non, il est mort. Oh, mais attendez, s'il faut, les ennemis ne repopent pas. Attendez, il y avait un gars ici. Ah si, 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 si. Ouais, je trouvais ça étonnant. Bon, on va partir vers la gauche. On va changer. Oh là là. Je trouve ça abusé qu'il y ait déjà des gros ennemis avec des longues haches. Vestiges de goudron, ok. Ok. Ah, viens là toi. Oh
Oh la vache! Oh, mais ils sont combien? Et je l'ai raté, évidemment. Mais regardez-moi ça! Attendez, dans les Souls, c'est pas comme ça. Hein. Y a pas autant de monde. Hein. Pas dès le début, en tout cas. Je trouve ça hallucinant comment c'est compliqué. Ah, il mange de la bonne souplette. Ah d'accord, je l'ai raté. Magnifique. Putain. Ah mais ils étaient trois. Ok, je l'ai raté. Ah, c'est un coffre ça? Ah non. Est-ce qu'il y a de la destruction? À votre avis, je pense pas. Hein. Non, non, non. Est-ce que je peux me brûler? Non plus. Cette lune s'enroule étrangement vers l'intérieur. Très bien. On lui dira. Putain, eh, franchement, le jeu me fait mal aux yeux. Hein. Je trouve que l'environnement, il est tellement, tellement sombre, tellement vert. C'est compliqué. Hein. Je pourrais pas jouer à ce genre de jeu, enfin, à ce jeu précisément. Putain, le coffre est verrouillé. Je pourrais pas jouer à ce jeu pendant des heures. Hein. Clairement, je pourrais pas. On va se faire une heure et c'est tout. Clairement, on fera pas plus. Attendez, j'entends un bruit. Je pense que je joue mal, hein, évidemment. À mon avis, il faut absolument utiliser le durcissement ou je sais pas quoi là. Putain, mais où on va? T'es qui toi? Éveillée sœur Genessa. Pray, what wayward spirit beckons? I shall name you foundling, and you may call me Sester Genessa. You're uninitiated in the Raphaïd's mysteries, I see. What a curiosity you are, wearing a man like a shell. You've awakened him, but you know nothing of him yet. Fetch me one of his mementos, and some tar too, and I'm sure we can stir up some recollections. Of course, first you must find his name. Bah oui, hein, allez. Chercher un nom. Vous devez d'abord découvrir le nom pour en éveiller le pouvoir. Si je peux obtenir. Ok, donc j'ai pas assez de goudron. J'ai pas assez de dames. Ok, il m'en faut 250. Bon bah ok. Hein. Très bien. Instinct, c'est quoi ça? Ah putain, j'ai fait quoi? C'est les souvenirs. Mais Ouais. Ça doit être des souvenirs de. Je sais pas. De personnages, sans doute. Si je monte là-haut. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh!
Ah, c'est des armes, ça, non? Sentiment, instinct. Ouais. Bon. Ah, c'est quoi ça? Utiliser l'établi. Ah! Amélioration pour l'épée sanctifiée. Les mécanismes de l'épée prévoient une deuxième pointe. L'épée sanctifiée possède un sillon vide en son centre. Il me faut des pointes. Là, de l'acide et là, des outils. Bon, on peut rien faire. Bon, j'ai l'impression qu'on a découvert le hub. Hein. Oh là là, je suis perdu déjà. Oh ah. Pas un truc à faire avec la cloche là. Oh, t'es qui toi? Putain, on dirait le marchand dans Resident Evil. Vlas! And what of on the inside? You certainly not want to welcome. In the meantime, why not? I'll gladly accept any tar as payment. Ok. Donc toi, t'es le marchand. Ok. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute? Oh putain, oui, il y en a. Et là, on est où là? Ah, ramasser vêtements de cérémonie en lambeaux. Vêtements de cérémonie. Putain, on comprend rien. Attendez, on a obtenu un vêtement. C'est ça, non? Ah oui, c'est ça. Ne peut être utilisée, cette arme est déjà équipée. What? Usage illimité. Bon, toi, t'es le forgeron, ça me semble évident. Retirer le sceau. Ah, mais attendez. À la fois arme et symbole, le sceau est sale et rouillé. It's been so long since anyone raised a hand. You seem different. Unfortunately, I have little to a small gift. Would you deep within the temples of the devout? Bring the glands back to me. Perhaps you too can use it to free yourself from this wretched land. Si tu le dis. Oh. Alors, j'ai eu le sceau terni, vous permet de parer. Ah, bah voilà. Le sceau vous indiquera également les coups impossibles à parer. L1 paré. Bah très bien. Oh putain. Le vieux prisonnier a infusé le sceau. Riposte automatique. Le sceau requiert beaucoup de détermination pour exploiter une telle infusion. Réaliser une riposte vous soignera. Ah! Alors ça, c'est une bonne mécanique. La prise de risque et de danger est récompensée. Parce que du coup, lorsqu'on fait une riposte automatique, donc L1 puis R1, donc ça consomme de la détermination, mais ça soigne. Ok, et on voit que la détermination, c'est les trucs orange. Donc j'en ai deux. Bah très bien. Bon, je pense que là on a débloqué pas mal de trucs. Attends, on peut aller là. Oh là, j'ai vraiment du mal avec ce décor. Oh, c'est vraiment dommage. Parce que je trouve le jeu pas mal. Mais alors par contre ce décor là, j'y arrive pas.
clairement, je n'y arrive pas. On va essayer de faire la riposte. Ah, les objets repop. Ah, d'accord, c'est ça les... Je viens de comprendre hein, pourquoi il y avait une jauge. Je pense que c'est le temps qu'il faut avant que ça repop. À mon avis, c'est ça. Ouais, donc on ne peut pas être bloqué finalement. Ah putain, j'ai raté. Putain, je sais pas si... Merde. Ah putain. Vas-y. Je pense qu'il faut le faire très tôt finalement. Ah d'accord. Donc là on s'est fait sortir du corps. J'essaie de comprendre comment ça marche. Attends, on va le tuer. Pas mal. Bon, j'ai l'impression que le fait de parer... Et là, prendre possession, enveloppe. Ah putain, mais ça soigne complètement. Ouh là 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 là. Ah oui, alors là, vraiment, il y a des mécaniques très intéressantes à développer. Hein. Donc genre si on sort de l'enveloppe et qu'on la regagne derrière, on est full life. Putain. Ah, y a vraiment des trucs intéressants à découvrir là. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y avait un piège. Il y a des pièges. Merde, il n'est pas mort. Par contre, c'est abusé. Hein, parce que le cri de mort du machin là, c'est le même que dans les Souls. Hein. C'est un peu kikimou ce que je fais là, mais... Bon, j'ai 350, on va aller voir la dame là. Je sais plus comment elle s'appelle. Je peux toujours pas le déverrouiller. On va voir comment ça se passe l'augmentation de level. C'était là, à droite. Parler avec machin. Buvez ça. Oui. Donc, j'ai assez de goudron. Alors, on débloque ça. Comment ça marche? Arros, le vassal. They entertain themselves with drunken antics or violent cruelties. They know better than to attack us. But they fought. Bon, c'est très intéressant. Donc comment ça... Oh putain, ça coûte cher. What? 500, ça va, mais alors putain, 1000, 2000, 4000. Oh, ça coûte une blinde. Donc comment ça marche? Ah oui, puis il faut de la lueur. Putain, alors les lueurs, je sais pas comment on les obtient. J'en ai une. Je sais pas comment je l'ai eu. Je ne sais pas comment je l'ai eu. Alors, accumulation de détermination, le temps de récupération de la forme endurcie est réduit de 25%. D'accord. L'endurance se remplit plus rapidement en forme endurcie. Tuer deux ennemis réinitialise le temps de récupération de la forme endurcie. Ah ouais, non mais vraiment tout repose sur l'endurcissement en fait.
L'endurcissement résiste deux fois plus longtemps à la destruction. Regagne une dernière chance en tuant assez d'ennemis. Ouais. Endurcir dans les airs pour créer une zone d'impact. Les ennemis tuent pas. Hein. Ouais. Déstabiliser vos ennemis avec un puissant coup de pied. Augmente les chances qu'un ennemi donne une lueur en étant tué. Ok, donc je pense que j'ai obtenu la lueur en tuant quelqu'un. En ramassant une lueur, vous avez une chance de regagner de la santé. Pendant une courte période, les ennemis tués ont une chance de donner une lueur. Ok. Bon, je peux rien faire, évidemment. Je ne peux rien faire. Est-ce que j'ai gagné? Non, j'ai rien gagné en plus. Pas plus de déter, pas plus de. C'est assez obscur, hein. On est à combien là? Attendez, je regarde à combien on est. Ouais, on est quasiment à 1 heure. Bon. Je pense qu'on va continuer. Attendez, on entendait un gros cri. Oh là, il y a plein de pièges. Y a plein de pièges. Derrière une zone de boss. On va peut-être pas y aller. Ah, attendez, il y a un coffre là. Ah bah non, c'est verrouillé. Oh. Ah, est-ce que les ennemis ont repop? Putain, mais oui! Attendez, je ne comprends pas le repop des ennemis. Hein. Bien joué! Next. Mais non. C'est pas trop dur, mais putain, j'ai un petit peu de mal à cerner où il faut aller. Hein. Ok, bien joué. Merde, Crony. Oh la vache! Ah non, c'est pas évident. Hein. Ça le fait, mais faut vraiment bien parer au bon moment, quoi. Ça a l'air d'être plus simple que les Souls, mais quand même. Hein. Pas si simple. Et je ne sais pas où il faut aller. Attendez, là c'est orange. Mais on vient de là? Ah putain, mais c'est nul! C'est complètement débile. Vraiment, c'est débile. Oh! Ah ouais, alors là il y a un gros souci là. Il y a un gros souci au niveau de la cam. Hein. Enfin, c'est pas la cam, c'est le plus. C'est plutôt le ciblage. Parce que vraiment, les ennemis ne nous ratent jamais. Alors que nous. Alors que nous, on peut les rater, quoi.
Et le pire, c'est que à cause du ciblage, on est attiré. Oh putain. On est attiré au centre de l'ennemi. Donc là, il y a. Et alors? Putain. Ah, j'ai pas assez d'endurance. Oh, sérieux. Je l'avais pas touché. Regardez-moi ça. Oh putain. Ah, je suis mort. Bon, bah on va s'arrêter là. Mort. Putain, j'arrive pas à lire. On dirait mort machin de l'Est. Ouais. Et on reprend du début. Bon, j'imagine qu'on n'a pas perdu notre nom. Faut pas refaire le. Faut pas remonter la compétence. Ouais, donc ça, ce sont les feux de camp. Vous êtes réveillé, oui. Prenez ce masque. It's not unlike my own. It reveals the world beyond Wisp, but yours unwilling. Perhaps it has an obligation. Ok. Donc en échange de tous les lueurs, ça nous fait repopper là. Ok. C'est comme. Putain, comment ça s'appelle? C'est pas l'os du retour, c'est. Enfin, c'est un truc dans le genre, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, mais. Bon, bah, ok. Bon, bah, le jeu est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Après, ah là là là, c'est quand même dommage que ce soit dans cet environnement-là, le premier environnement. J'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai énormément de mal. C'est très labyrinthique, peut-être trop. Dès le début du jeu, comme ça, je trouve que c'est beaucoup trop labyrinthique. Après, je trouve que les mécaniques de gameplay sont très très bonnes. Elles sont très intéressantes. Entre le fait de pouvoir parer, le fait de prendre possession finalement d'une enveloppe, d'être éjecté et de pouvoir la reprendre, et donc de regagner toute la santé, je trouve que ça c'est pas mal. Donc ouais, avec de la persévérance, je pense qu'on peut vraiment, apprécier le jeu. Bon, c'est un vulgaire copier-coller d'un Souls. Mais venant d'une petite équipe de développement, c'est très 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 honnête. Hein. Attendez, on va aller là-bas, j'ai envie de savoir ce qu'il y a. Oh, il est pas beau. Ah, c'est le boss! C'est Grisha. Oh, mais lui aussi peut parer, j'ai l'impression. Oh putain. Oh, oh. Il m'a one shot, c'est impressionnant quand même. Oh la vache. Pourquoi j'ai perdu le... Merde! Non, c'est bon. Oh la vache! Ah, il m'a eu là. Ah oui, donc j'ai l'impression qu'on peut mourir... Enfin, on peut être éjecté qu'une seule fois. Hein. Bon, il est faisable, hein. Clairement, il est faisable. Hein. Mais bon, ok. Bon, on aura vu au moins le premier boss. Grisha. Mais il a bien changé. Hein. Peut-être que le deuxième, ce sera Igor. On n'en sait rien. Bon, le jeu est pas mal. Voilà, le jeu est pas mal, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, le jeu est pas mal. Bon bah très bien, voilà, on va s'arrêter là. Donc un avis à chaud comme ça, ouais non, le jeu est vraiment bon.
Il y a un petit truc qui me dérange encore une fois, bon, c'est l'univers, c'est le décor. Dans une forêt lugubre comme ça, j'ai du mal. Après ça, c'est vraiment subjectif. Je pense qu'il y aura des joueurs qui, au contraire, diront « Ah, j'adore !» Donc très bien, hein, tant mieux pour eux. Après, comme dans tous les Souls, forcément, on est perdu. On ne sait pas où il faut aller. Mais bon, ça, c'est cousu de fil blanc, j'ai envie de vous dire. C'est dans les textes, hein, c'est dans les codes. Le gameplay est très bon. Je trouve que la bande son est quand même assez limite. Vous voyez, il n'y a pas de... Il manque un truc. Je saurais pas quoi dire. Peut-être une petite musique ou... Je sais pas. Ouais, là, on a affronté l'espèce de demi-boss ou de boss, on n'en sait rien. Il n'y a pas une musique, c'est dommage. Donc c'est pour ça, c'est un peu... Après, bon, l'histoire me semble assez incompréhensible, ce qui est normal. Par contre, pas de cinématique. Et là, je m'insurge. Pas de cinématique au début. Enfin, il n'y a que dalle, quoi. Donc, c'est quand même bizarre. Il n'y a pas vraiment d'immersion, voyez-vous. Bon, après, techniquement, c'est propre. Graphiquement, c'est pas ouf, mais ça reste propre. On est sur la PS4 de base, hein, donc franchement, ça va. Hein. Ça va, clairement. Pour un jeu de 2020, c'est honnête. À voir dans d'autres environnements. Voilà. Level design, ça a l'air d'être plutôt sympa, mais encore une fois, c'est tellement labyrinthique que... Faut vraiment découvrir par soi-même et passer de longues heures pour appréhender les levels, enfin les niveaux. Donc, non, puis ensuite, vraiment le point fort, je pense, c'est le gameplay. Donc il y a un petit côté de frustration, j'ai l'impression, sur le focus. Sur le fait de cibler, sur le ciblage des ennemis. Après, niveau attaque, niveau le fait de pouvoir parer. Putain, on dirait dans Castlevania, dans Lord of Shadow, c'était la même chose. Hein. Dans les Lord of Shadow 1 et 2, c'était le même pattern. Donc, c'est marrant. Donc oui, le gameplay a l'air d'être quand même assez abouti, assez fandard. Donc franchement, pourquoi pas. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Donc, première vidéo découverte. Bon, perso, je pense pas le continuer parce que j'ai du mal. Voilà. C'est pas la difficulté, c'est vraiment... là, les yeux, ils crient au secours. Hein. Donc j'ai vraiment, vraiment du mal. C'est dommage. Mais bon. Peut-être un de ces jours. Voilà. Quand j'aurai plus rien à me mettre sous la dent. Bon, bah, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite... un bon repos, voilà. Et puis, bah, prenez soin de vous. C'est tout ce que j'avais à dire. Puis donnez votre avis, voilà. Donnez votre avis sur ce jeu, c'est intéressant aussi. Allez, je vous dis à bientôt. C'était One Hour Game. A ciao, bonsoir. Aïe! Ça picote! Ouh! Oh, on a une belle vue, là. Attendez. Franchement, les armures ont l'air pas mal. C'est plutôt bien... Artistiquement, c'est plutôt bien fait. Ouais. Il y a eu du travail. Bravo. Allez, à ciao.